Plus tu as des informations, gars, ça veut dire que plus tu connais, par exemple, le business, plus tu connais comment générer du cash, plus tu connais le marketing, eh ben, plus du coup, tu vas avoir des idées qui seront plus pertinentes et qui auront plus de résultats quand tu vas les implémenter. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui pensent que ouais, moi, je vais réussir sans me former, etc., ou sans apprendre, ou sans me faire mentorer, ben, même si tu passes à l'action massivement, tu vas juste perdre beaucoup de temps, tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Hein, tu le sais très bien. Je sais pas pourquoi. Hein, je suis obligé de te le dire chaque vidéo. S'il te plaît, voilà. Je sais plus combien de pourcentage vous n'êtes pas abonné, mais je sais que tout le monde n'est pas. Tous ceux qui regardent les vidéos, je sais, ils sont pas tous abonnés. Donc abonnez-vous les gars, ça fait toujours plaisir, hein, ça donne la force. Ici c'est Jean Tachi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, pouvoir tout péter dans ta vie, designer ta vie comme tu veux en fait. Hein, ça fait plaisir parce qu'on n'en a qu'une seule. Hein. Une fois qu'elle est passée, c'est fini. Hein. Oh, c'est fini. Hein, donc voilà, c'est pour ça que les gens des fois, c'est pour ça qu'il y a un problème quand tu valorises plus le temps que l'argent. Parce que le temps il est fini quoi en fait. Alors que l'argent, tu en perds, tu en gagnes, tu vas toujours te retomber sur tes pattes, il n'y a pas de problème quoi. Hein, l'argent, tu peux en perdre, tu vas pouvoir le récupérer. Le temps, tu le perds, tu le récupères jamais. Et arrêtez de trouver des excuses, hein, les gens qui vous trouvent des excuses. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai doublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne. Je te montre en plus dans une masterclass offerte comment j'ai fait, comment tu peux faire aussi, c'est offert. Je te montre ça en détail. Donc les gars, vous n'avez pas d'excuses et passons directement au sujet de la vidéo. Le détail qui a changé ma vie, petite réflexion que je vais partager avec toi aujourd'hui. Yeah. Oui monsieur, là je me suis assis. Des fois j'ai envie de m'asseoir, je me dis tiens, je vais m'asseoir pour voir un petit peu ce que ça dit. Hein, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Du coup, alors ce que je vais te dire, ouais, je vais partager avec toi, c'est que en fait je me suis aperçu d'un truc la dernière fois, j'étais en train de réfléchir et de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai fait en fait pour avoir les résultats que j'ai dans ma vie et des fois des résultats dont je ne m'y attendais pas forcément et que j'ai eu. Et je me suis aperçu, ça semblait bateau, hein. Mais c'est parce qu'en fait, à chaque fois, c'est parce que je suis passé à l'action. À chaque fois, je suis passé à l'action. Alors des fois, alors moi, je passe à l'action massivement. Ça veut dire que tous les jours, je passe une action, tu vois. La plupart ne donnent rien du tout. Hein. Et c'est pour ça que je pense que là, il y a des gens qui abandonnent. Et à des fois, ça prend. Ça prend, ça me permet de faire ou grossir ma communauté, ou d'avoir plus d'impact, ou d'avoir plus de visibilité, ou de faire entrer plus d'argent. Mais ça, je ne le sais jamais, tu vois. À chaque fois, dans ma tête, quand je vais passer une action, je me dis « Oh, celle-là, quand je vais faire ça, là, ça va tout exploser hein, !» Il ne se passe rien du tout, tu vois. Mais le fait que j'enchaîne tous les jours, boum, 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 j'enchaîne, à un moment donné, il y a un truc qui pète là, et puis il y a un autre truc qui pète là, finalement, et puis des fois, ça pète tout en même temps, tu vois. Et je me suis vraiment aperçu, c'est que, en fait, quand je passe à l'action, je crée des choses, en fait. Quand tu crées des choses, eh ben, ça a un impact, en fait, sur ton marché, ou dans le monde, ça dépend, bon. Peut-être pas dans le monde, tu vois, on peut dire ça, ouais, si on peut dire ça, on peut dire ça quand même. C'est comme si tu mets ta petite pierre à l'édifice, tu vois. Mais à chaque fois que tu fais une action, que tu fais quelque chose, tu fais que tu es plus producteur. Hein, parce que pour faire de l'argent, les gars, il faut être producteur, tu vois, il faut produire quelque chose. Producteur, ça ne veut pas dire genre tu es producteur de cinéma. Rien à voir, Gérard. Non, c'est plus genre tu produis quelque chose, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de productivité. Tu vois, tu n'es pas toujours en train de consommer, tu vois. Au lieu de regarder, de mettre des likes sur Instagram, ben, poste des photos. Au lieu de regarder des vidéos sur YouTube, ben, poste des vidéos. Ceux qui produisent sont les personnes qui gagnent de l'argent. Tu ne peux pas être plus un consommateur qu'un producteur, par exemple, dans ta vie. Si jamais tu veux gagner de l'argent, en tout cas. Okay, seulement ceux qui apporte de la valeur en fait dans un marché, dans le monde, et même si c'est de la valeur que tu as l'impression, ouais, mais là je fais quelque chose gratuitement, j'ai pas d'argent qui revient tout de suite. À chaque fois que tu apportes de la valeur, tôt ou tard, tu vas pouvoir récupérer de l'argent. Par exemple, si c'est dans le cas d'une vidéo, le fait que tu postes une vidéo, eh ben, tu vas attirer l'attention en fait. Et vu que l'argent suit l'attention, à un moment donné, tu vas faire de l'argent. Et du coup, je me rappelle la première fois, tu sais, j'ai mon premier business en ligne, c'était sur le saxophone. Je vendais des formations en ligne, enfin j'en vends toujours, je vends des formations en ligne sur le saxophone, où j'aidais bah, du coup les saxophonistes débutants à progresser, à jouer au saxophone tout simplement, tu vois. Ah ben moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait l'académie qui s'appelle le Sax Pap, hein, ça s'appelle en fait, c'est saxophone pas à pas. Eh ben, ça m'a fait tout bizarre quand j'ai eu mes premiers clients et qui parlaient de mon club quoi, de privé, qui disaient ouais, ouais, je suis rentré dans Sax Pap. J'ai dit, mais bah, c'est de mon école qu'ils parlent, l'école. Mais j'ai mon école en fait. J'ai dit, ça veut dire que le truc, il existait
si je l'avais pas fait, il n'existerait pas. Je sais pas que la gratification, imagine la gratification que tu as. Tu as fait quelque chose qui existe, qui n'existait pas et qui existe et dont les gens en parlent comme si c'était normal que ça existe en fait. Genre ouais, je suis dans Saks Pop et tout, nanana, nanana. Ça m'a fait un truc trop bizarre. Et le truc c'est que genre, juste parce que je suis passé à l'action en fait. Juste parce que je suis passé à l'action, après j'ai eu des idées que j'ai implémentées et après ça tu crées des choses qui ont un impact en fait dans le monde entre guillemets à ton échelle et qui en plus te permettent de gagner de l'argent. Et donc aujourd'hui c'est la même chose. Aujourd'hui gars, je suis en mode j'ai des idées, tu vois. C'est pour ça que quand t'es entrepreneur, ton cerveau il se repose jamais. Tu vois, enfin moi 7 jours sur 7, je suis en train de réfléchir. Enfin, t'es toujours en train de penser à ton business. Et je sais que ça, c'est un concept que j'avais du mal à comprendre dans mes débuts quand j'étais entrepreneur. Et que quelqu'un m'avait dit, il travaille le week-end. J'ai dit quoi? Comment ça, il travaille le week-end? Genre, tu sais, j'avais encore la mentalité du salarié, tu vois. Dis, comment ça, tu travailles le week-end? Il dit non, parce que quand t'as un business, tu peux pas genre faire comme un salarié, c'est le vendredi, moi c'est bon, je coupe mon téléphone, je mets mon cerveau à côté, je pense plus au business. Et il dit, tu peux pas faire ça parce que c'est ton business. Donc il y a pas genre le week-end, genre tu mets ton cerveau, genre tu l'éteins, boum, et genre tu penses pas à ton business. Non, c'est en fait c'est pas possible en fait. C'est juste en fait toujours connecté avec ton business. Donc il y a pas de séparation. Ça c'est un leurre, c'est le truc de vie personnelle, vie professionnelle. Il y a pas de séparation. En fait, les deux se sont joints et tu vis avec. Et l'idée c'est justement de faire quelque chose qui te passionne pour que tu sentes même pas que c'est du professionnel en fait. Mais en gros pour te dire que je pense à mon business tous les jours, tu vois. Tous les jours, tu as des idées, ça peut être pendant la nuit, pendant la journée, pendant que tu manges, pendant que tu regardes une vidéo, pendant que tu regardes. Des fois, je regarde un film, ça va m'inspirer un truc. Je vais dire, ah ouais, tiens, c'est comme ça qu'ils ont fait le marketing, boum boum. Ah, vas-y, je vais essayer d'implémenter ça, boum boum. Ou je vais voir des trucs. En tout cas, je vais toujours m'inspirer, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je fais, mec. Ça veut dire que j'ai des idées. Je suis, ok, comment je pourrais faire ça? Ok, comment je pourrais aider? Ok, qu'est-ce que les gens veulent? Boum boum. Et boum, je vais essayer, tu vois. Et boum, je vais essayer un truc. Boum, ça va donner des résultats. Ou des fois, ça va pas donner de résultats. Mais du coup, c'est vraiment en passant à l'action massivement que bah, dans tout, à un moment donné, il y en a un qui pète, tu vois. Et plus tu multiplies le truc, plus tu as plusieurs trucs qui peuvent péter en même temps, plus je joue aussi sur l'effet cumulé. Donc tout ça pour te dire ça. Bon, c'était plus pour te partager une réflexion. J'ai mis un titre, mais en vérité, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop comment intituler cette vidéo. Je ne sais même pas comment je l'aurais mis, mais bon, je pense que je vais mettre. On verra. Et donc, du coup, tout ça pour te dire que. Alors, c'est cool de passer à l'action, tu vois. Mais il ne faut pas passer à l'action, genre, sans la connaissance. Et ça, je l'ai expérimenté très tôt quand j'étais encore chez les pompiers. J'avais voulu acheter un appartement. Parce que, comme tous les. J'avais beaucoup de collègues, en fait, à moi, qui étaient dans l'investissement locatif, en fait. Et donc, du coup, comme j'ai vu ça, je me suis dit, oh, bah vas-y, ça déchire, moi aussi, je vais faire ça. Hein, donc après, j'ai vu un appartement qui n'était pas cher. Je l'ai acheté dans les mains bah justement d'un des collègues qui était soi-disant investisseur aussi en immobilier. Il avait un appartement. Donc comme il y en avait plusieurs en fait, c'était nouveau, je ne les connaissais pas encore bien, tu vois. Mais comme ils étaient plusieurs et qu'il y en avait certains qui étaient bons, je voyais qu'ils maîtrisaient bien l'investissement locatif, je me suis dit, bah, ils sont tous forts en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le collègue m'a proposé l'appartement, j'ai vu que ce n'était pas cher. Hein, ça c'est l'ignorance, oh c'est pas cher, mais c'était genre par rapport à des prix normaux, tu vois, c'était à Mont-la-Jolie, c'était un appartement, je sais plus c'était à combien j'avais acheté, peut-être 60 000, à tout, je sais plus combien, et genre du coup, combien j'avais acheté ça, en tout cas c'était en dessous de 100K en tout cas, et genre j'ai acheté ça boum boum alors que je connaissais rien en immobilier gars. Juste aller faire un crédit, boum, je suis allé, j'ai acheté comme ça. Et ben le truc, c'était pas bon en fait. J'étais en déficit. Alors, j'ai eu de la chance pour le coup, j'étais pas en déficit de ouf. Tu vois, j'étais peut-être en déficit d'aller peut-être 500 euros par an, tu vois. Mais c'est relou, tu vois. C'est relou, tu lances dans un truc. Et c'est quand je me suis lancé comme ça, d'ailleurs, c'est grâce à ça, à cette erreur-là, que après, j'ai commencé à dire en fait, il faut que j'apprenne sur comment investir dans l'immobilier. Ok, donc après, j'ai acheté une formation. Après j'ai acheté la formation, ben, ça m'a permis de. Je suis rentré dans la mailing list de je sais plus de qui à l'époque. Je suis rentré dans la mailing list qui fait que après du coup j'ai reçu des mails qui parlent aussi du business en ligne et du coup de fil en aiguille j'ai dit ah mais attends mais internet ça déchire tout ça machin et après j'ai créé mon business en ligne. Donc finalement grâce à ce collègue peut-être que j'aurais jamais pensé à créer mon business en ligne parce que c'est sûr que j'y pensais pas du tout. J'ai jamais tapé sur internet comment devenir riche.
riche, tu vois. Et même quand j'ai créé mon business en ligne, c'était juste en mode challenge et voir ce que ça dit, est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc tout ça pour que, pourquoi je faisais ça? Tout ça pour te dire que j'étais passé à l'action. Donc ça, je suis toujours un gars qui passe à l'action massivement. Mais du coup, je m'étais pas formé. Donc je m'étais fait défoncer, quoi. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, plus tu as, et ce que j'ai réalisé plutôt, c'est plus tu as la connaissance. Parce que les actions que tu fais, c'est quoi? C'est lié à ce que tu penses. Okay? Et ce que tu penses, c'est basé sur toutes les informations que toi tu as. Donc en gros, plus tu as d'informations, et c'est ce que je me suis aperçu après par la suite, plus tu as des informations, gars. Ça veut dire que plus tu connais par exemple le business, plus tu connais comment générer du cash, plus tu connais le marketing, eh ben, plus du coup tu vas avoir des idées qui seront plus pertinentes et qui auront plus de résultats quand tu vas les implémenter. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui pensent que ouais, moi je vais réussir sans me former, etc., ou sans apprendre, ou sans me faire mentorer, même si tu passes à l'action massivement, tu vas juste perdre beaucoup de temps, tu vois. Parce que moi, il y a des choses, par exemple, des actions que j'ai faites peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans, que j'aurais pas refait aujourd'hui avec la connaissance que j'ai aujourd'hui. Donc, tout ça, la conclusion de la vidéo, pour ça, pour te dire que, en fait, tu peux vraiment changer ta life, tu peux même changer la vie des autres. Et ce qui est super gratifiant, tu vois, c'est pour ça qu'on kiffe, pour ça que je kiffe aussi le business en ligne, tu vois. Parce que tu aides aussi les gens, tu vois. Tu gagnes de l'argent et en plus, tu aides les gens. Et en plus, c'est pour ça que j'aime bien Influenceur 2.0 pour être précis. Parce qu'en plus, tu as plus de notoriété. Donc, tu aides les gens, tu as plus d'argent et en plus, tu as plus de notoriété. Donc, c'est ce qui peut déboucher sur tout ce que tu veux après derrière. Ok, et en plus, c'est un nid à opportunité. Donc, je te rappelle, je te parle de tout ça de façon précisément en détail dans la masterclass offerte. Mais en gros, pour ça, pour te dire qu'il faut que tu te formes pour avoir un maximum de connaissances. Comme ça, plus tu vas passer à l'action, plus tu as de chances d'avoir encore plus de résultats. Après, ça ne veut pas dire que tu dois attendre d'être un expert, d'avoir lu 100 bouquins, d'avoir pris toutes les formations du monde pour passer à l'action. Non, tu vas au fur et à mesure. Tu ne peux pas injecter toute l'information d'un coup, tu vois. Genre à la Matrix, tu vois. Non, tu vois, tu te formes un peu. Et pendant que tu passes à l'action, tu continues à te former tout le temps, et tu vas évoluer, tu vois. Et c'est pour ça que c'est bien de s'entourer aussi de coach. Si jamais tu peux te permettre de te payer un coach, prends un coach parce que du coup, ça va te permettre d'accélérer vraiment rapidement, tu vois. Donc, tu vois, moi, je te dis ça alors que je ne propose plus de coaching, tu vois. Enfin, si, il y a le coaching à l'heure, si jamais t'intéresser, mais je ne suis plus d'accompagnement comme je faisais avant. Donc, c'est pour te dire que là, je te dis un truc que même moi, je propose pas. Tu vois, c'est pour te dire que c'est, je veux dire, là, tu peux pas dire, ah ouais, mais ton avis, il est biaisé parce que genre, t'es un coach, tu vends du coaching. Mais non, à part du coup le coaching à l'heure, mais c'est quand même quelque chose de différent, tu vois. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime pas si tu as aimé cette vidéo, mais ce que je voulais te dire par là, c'est que, mec, aujourd'hui, je fais des choses que j'aurais pas pensé faire et c'est que le début, tu vois. Et c'est juste les résultats que j'ai eus, que j'ai et que je vais avoir, c'est juste parce que, à un moment donné, j'ai une idée, je dis, tiens, vas-y, je vais essayer de faire ça. Boum, je mets ça, et après, des fois ça marche, des fois ça ne fonctionne pas, tu vois. Mais le kiff d'être 100% responsable de sa vie, mec, c'est un truc de malade, gars. De dire que, en fait, ce qui arrive de bien ou de pas bien dans ma vie, c'est j'en prends la responsabilité à 100%. Et comme ça, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui peux changer ma vie. Et ce que j'ai à faire, c'est que bah, je dois faire en sorte de faire des actions qui vont me permettre d'aboutir au résultat que moi, je veux avoir, tu vois. Donc, tu vois, ça passe par le truc de 100% responsable aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as la masterclass offerte si jamais tu veux aller plus loin. Et puis, les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp.